Nous retenons ce plateau installé pour l'occasion du congrès mission à Saint-Sulpice, sur le parvis de Saint-Sulpice. Et j'ai la joie d'accueillir trois personnes, Père Gilles Rousselet, Béatrix Bréauté et Marianne Gancel. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors, vous venez parler de disciples au cœur brûlant. Alors, qu'est-ce que c'est, ces disciples au cœur brûlant? C'est les disciples dont tous les curés rêvent. Ah, dis donc. C'est-à-dire, explicité, parce que ça me paraît un peu abscon. Alors, en fait, c'est un itinéraire, un parcours innovant pour trois choses. Innovant parce que c'est un parcours d'abord d'évangélisation qui porte un projet, chaque paroisse porte un projet. Et Disciples au cœur brûlant va aider les paroisses à mettre en œuvre de façon pratique, selon des processus et des outils pédagogiques, un projet pour le faire vivre. Eh bien, par exemple, le projet que nous avons travaillé au cours de cette année, là, avec Talentéo. Alors, Talentéo, qui est expliqué, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît. Talentéo, c'est un réseau de coachs chrétiens qui fait du coaching d'équipe, du coaching pour prêtres, pour évêques, pour supérieurs majeurs de congrégation et qui aussi fait un parcours en association avec Alpha qui s'appelle... Des pasteurs selon mon cœur, des pasteurs selon mon cœur brûlant, des pasteurs selon mon cœur, et donc qui a touché à peu près déjà 800 prêtres sont venus pour faire ce parcours à Paris et ailleurs. D'accord. Alors, moi, je dois dire que je fais partie des 800 prêtres. Coaché. C'est une joie, coaché par Talentéo, ayant parcouru, fait ce parcours pasteur selon mon cœur. Et voilà, moi, je dois dire que je suis prêtre depuis 25 ans et que ce parcours a complètement renouvelé la vision, ma conception de ce que je dois être comme pasteur. Pourquoi? Et comment travailler. Parce qu'il nous donne vraiment les moyens de mettre en œuvre ce à quoi on ne peut jamais renoncer quand on est prêtre. C'est que l'Église, elle est faite pour la croissance. Dans toutes les paraboles que Jésus utilise dans les évangiles, il dit toujours que l'Église est faite pour la croissance. Et en fait, les coachs, là, nous transmettent, nous donnent les moyens. Ils ne parachutent pas quelque chose, mais à partir de ce que nous portons en nous, et y compris d'ailleurs du désir que nous avons travaillé avec les laïcs, c'est pour ça que Marianne est là, il nous donne les moyens de faire accoucher, on peut dire, la vision que nous avons et d'y croire et de la faire aboutir. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une sorte de cercle vertueux. C'est-à-dire quand on rentre dans cette dynamique-là, en fait, il n'y a jamais d'arrêt. On peut dire on ne se repose pas. Mmh. On aura l'éternité pour se reposer, vous voyez. Mais on a toujours, ça stimule la créativité. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ouais, mais en plus, c'est pas forcément évident d'être prêtre aujourd'hui, avec ce contexte qu'on connaît tous. Pourquoi c'est important comme ça pour les prêtres d'être accompagnés, d'être coachés ? Eh bien, là, il faudrait reprendre un peu la genèse de ce parcours, parce que, en fait, je crois que l'histoire, c'est un prêtre, un couple qui était au contact de leur curé, qui avait beaucoup d'idées, mais pas la capacité de les mettre en œuvre, ce qui est aussi mon cas. Moi, je suis ce qu'on appelle un leader visionnaire, c'est-à-dire j'ai la vision, mais je ne suis pas du tout stratégique. Mmh. Et donc, j'avais des idées géniales. Ah, pardon, que je trouvais... Que vous jugiez géniales, mais qui le sont. Et un jour, j'ai demandé à un diacre permanent avec qui je travaillais, qu'est-ce qu'il avait à me dire avant de partir. Et il m'a dit, tu as de bonnes idées, mais tu ne sais pas les transmettre. Mmh. Et là, j'ai travaillé, Talentéo m'a aidé justement à mettre en œuvre ces idées-là. Et puis, à travailler avec les autres, parce que... On ne peut pas faire vivre l'Église aujourd'hui sans les laïcs. Mmh. Les laïcs sont dotés de charisme par leur baptême, et on n'a pas le droit de s'en passer, c'est pas possible. Bah, c'est ce que dénonce aussi actuellement le pape, hein, cette tentation du cléricalisme et l'importance en fait, de cette collaboration entre laïcs, clercs, religieux. Alors comment ça se concrétise donc, juste par cette espèce de partenariat donc, qui a été fondé par Talentéo, mais plus concrètement, dans la vie quotidienne, la vie paroissiale, comment on peut arriver à retrouver une collaboration entre clercs et laïcs? Alors, il y a la vie paroissiale, mais il y a aussi tous les paramètres différents qui ne sont pas la vie paroissiale. Là, pour Talentéo a été fondé par Olivier et Béatrice de Pello, donc un couple, Olivier et Béatrice sont coach, et ils avaient des amis prêtres qui leur disaient, mais finalement, ce que tu fais pour des entreprises, ce que tu fais pour des leaders d'industrie, etc., pourquoi est-ce que tu ne le fais pas pour nous? Et donc, c'est comme ça que l'idée émergente, ce couple a répondu à cet appel très particulier de se dire, les prêtres ont besoin d'être accompagnés à travers des outils
pédagogique, éducatif, pour mettre pour que la croissance de l'Église puisse advenir de façon le plus plénier possible. C'est vrai que ce terme de croissance, il peut un peu déranger. On dit que ça fait un peu entrepreneurial. L'Église est une entreprise comme les autres. Non, ce n'est pas une entreprise comme les autres, mais le fait qu'elle soit faite pour grandir à la fois en qualité, hein, d'abord, parce qu'on est tous appelés à la sainteté, et en même temps, moi, quand j'ai reçu la vision pastorale au cours de mon parcours Talentéo, j'ai reçu, dans la prière, j'ai reçu cette vision, où sont les autres ? Et on ne peut pas se résoudre à ce qu'il y ait de plus en plus de monde, de gens dans l'Église qui n'aient pas cette joie de goûter à l'Évangile, à la saveur de l'Évangile, parce que l'Évangile a la même saveur qu'aux origines, c'est le Christ. Et le Christ a toujours, il est cette bonne nouvelle qui est annoncée au monde d'aujourd'hui, mais le Christ nous dit, quand il donne son mandat aux apôtres, il leur dit « faites des disciples ». C'est à nous qu'il confie cette mission. Et la croissance, nous la voyons vraiment comme dans toutes les paraboles de l'Évangile. Ce n'est pas seulement un nombre, un effectif, ni évidemment des aspects financiers, même si ça peut aider quand même. Mais c'est que le plus grand nombre puisse avoir accès à cette joie inouïe que Dieu donne. Mmh. Et ce n'est pas possible qu'il y ait des changements. Ce n'est pas parce qu'on est 2000 ans après, dans un contexte sécularisé, que l'Évangile touche moins les gens qu'aujourd'hui. On a simplement à retrouver, parce que c'est vraiment ce que Talentéo nous enseigne, c'est finalement à retourner à l'origine. Comment la première communauté de Jérusalem a procédé ? C'est pour ça qu'on y retourne aux actes des apôtres, avec les cinq essentiels. Et quand Jésus a formé ses disciples, il avait une stratégie, et nous mettons en place cette stratégie. Parce que, comme disait quelqu'un, un curé, il ne peut pas connaître plus de 150 personnes, ou connaître vraiment plus de 150 personnes. Donc, en fait, on travaille avec des laïcs qui sont des disciples missionnaires qui vont à leur tour contacter, former, accompagner d'autres disciples missionnaires. Et former l'Église, oui. Je crois que vous vouliez intervenir, Marianne, allez-y. Parce que vous parliez d'entreprise. C'est vrai que l'Église n'est pas une entreprise, mais il y a des outils en entreprise qui sont excellents. Et en fait, les utiliser pour avancer pour la croissance de l'Église, c'est même une intuition qui est excellente, plutôt que de se dire on va tout inventer. Parce que l'Église fait partie du monde contemporain, elle n'est pas hors sol finalement. Voilà, et Père Gilles parlait de leader tout à l'heure, c'est des termes qu'on n'aurait jamais utilisés il y a 10 ou 15 ans et qui finalement sont vraiment intéressants à développer aussi dans l'Église. Je pense que le mot croissance n'est pas un mot réservé à l'Église. Parce que la croissance de nos enfants, moi je suis mère de famille, j'ai veillé pendant des années sur leur croissance spirituelle, leur développement humain. Donc la question de la croissance, c'est vraiment de prendre quelqu'un là où il en est pour le faire grandir. Et c'est aussi le message de Jésus à la croix, qui donne sa vie pour la fécondité, pour que sa vie soit féconde. Et nous, justement, le mot croissance, c'est la fécondité de l'Église. Regardez que chacune de nos paroisses devienne une paroisse maternelle, au sens de donner la vie pour attirer et annoncer la bonne nouvelle de Jésus, qui est une parole de vie. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour ce que vous nous avez dit. Merci pour ce beau message d'espérance. Et on va retrouver, je crois, Marthe, qui est encore en live, en direct du coup du village Stanislas.